Salut à tous, c'est Matt et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de magie, un top 5 des petits tours, enfin facile à faire mais aussi facile à voir le secret. Pour le premier tour, c'est avec une carte et donc elle va voler. Voilà. Donc là, bon, je pense que vous savez comment je fais. Il y a juste à enlever et puis... à enlever les doigts et puis vous voyez c'est avec les pouces, il y a juste à la tenir entre les deux bords de la carte et puis à la faire voler, cachez vos pouces avec les doigts. Pour le deuxième tour, c'est comment faire apparaître une carte. Bon, celui-là moi j'arrive jamais à le faire, donc vous mettez la carte entre les deux doigts, entre ces deux doigts là, et donc là, vous tenez la carte comme ça pour vraiment être dans le bon axe. Et donc là, voilà, vous faites une sorte de manipulation, vous faites, enfin, rapide. Moi j'y arrive pas, donc voilà. Bon, voilà, on va dire que c'est comme ça. Pour le troisième tour, c'est avec une pièce. Donc là, c'est pour la faire apparaître. Donc voilà, si là aussi j'arrive pas trop. Alors donc voilà, il n'y a rien dans la main. Et là, il y a une pièce. Voilà, encore un tour. Voilà. Donc vous la mettez entre le pouce et l'index. Vous le coincez là, comme ça, et vous mettez comme ça face au spectateur, donc comme ça. Bon, après il va voir que le pouce, hein, il est pas droit, donc il va trouver ça bizarre. Pour le quatrième tour, c'est avec, bon, une balle en mousse ou un mouchoir ou un truc petit que vous pouvez plier dans la main. Enfin, moi c'est même pas une balle en mousse, c'est un nez rouge, hein. Donc je mets la balle dans la main et là, faut dire dans quelle main elle est, celle-là ou celle-là. Puis donc le spectateur dit celle-là, donc elle est pas là, elle est là. En fait, quand vous mettez la balle dans cette main, enfin dans cette main-là, vous la remettez directement dans cette main. Donc voilà. Puis après, vous pouvez vous amuser à faire à vos amis, famille, enfin bref. Le même tour plusieurs fois, mais cette fois-ci, par exemple, en faisant dans quelle main là, après dans quelle main là. Enfin voilà. Faut faire attention à ce que la balle ne dépasse pas de la main. Parce que sinon, c'est grillé. Donc voilà. Et maintenant, pour le cinquième tour, je vais le faire avec ma sœur. Pour ce tour là, il faut juste un mouchoir et donc je le mets dans ma main et là, 1, 2, 3, dans quelle main il est? Perdu, il est dans celle là. Donc je le refais avec un autre mouchoir, je le mets dans la main. Et donc, 1, 2, 3, dans quelle main il est? Perdu. Donc vous avez compris comment faire ce tour, donc ça marche qu'à une personne évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous aimez le contenu de ma chaîne, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez, vous pouvez aussi commenter. Si vous avez des idées de tours de magie que je pourrais faire, expliquez-les-moi en commentaire. Je les regarde et je les ferai peut-être en vidéo. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine. Bye.